Bonjour à tous les Price Actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Notre CAC 40, donc nous sommes aux alentours de la clôture européenne. On continue donc notre progression haussière avec une validation donc de la journée du 25 février aujourd'hui. Là, on valide le signal, on close bien au-dessus, donc ça peut ouvrir la voie sur ce niveau-là que l'on va tracer. C'est-à-dire les 442, on va donner un coup d'œil en hebdo. On a fait le point vendredi dernier, donc voilà. On a un objectif logique ici qui se situe sur ce BRMZ en 1 heure aujourd'hui. Donc nous sommes sur R1, nous sommes collés sur R1. Les bullish ont voulu créer un higher low ici, chose qui a été faite. Nous sommes sur un major move aussi. Donc, bon, une bonne petite journée bullish. Là, on a rebondi sur les 38,2 de notre spike ici avec un petit setup. Voilà, et en termes de 5 minutes, voilà, donc on peut voir une belle trend. Là, une belle trend continuelle sur le CAC 40. Ce matin, donc les petits 67,5 que j'avais annoncé à acheter en cas de passage au-dessus ont été validés, bon, assez fort par les indices, les statistiques européennes à 11 h, bien sûr, qui ont influencé le CAC. On a pris donc une belle spike avec une zone de constriction de latéralisation, puis deuxième spike, troisième spike, quatrième spike, qui ont cassé plusieurs niveaux d'affilée. Donc on est très très bullish. Là, le bouton short n'est pas à mettre en place. Et on reste avec le bouton bullish, mis à part certains signaux de price action. Je vous remercie pour la clôture européenne et je vous dis à demain pour le morning meeting.